Mon ex a totalement changé. Pourquoi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de reconquête amoureuse. Il m'arrive de coacher des personnes qui me disent « Alex, je ne comprends plus ma femme. Elle s'est remise à fumer. Elle sort avec ses amis. Elle retrouve une deuxième jeunesse alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. » Ou alors au contraire, une femme qui était très expressive, qui sortait, qui profitait de la vie et qui commence à se recroqueviller sur elle-même. Et c'est pareil pour les hommes. Comment expliquer ce changement d'attitude? Premièrement, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que la rupture a tendance à changer l'autre. Quand on veut une rupture, on veut absolument modifier ses habitudes. Le deuxième point qui est pour moi le plus important, et je veux vraiment que vous écoutiez, c'est qu'aujourd'hui, quand votre ex prend la décision de rompre, cela ne lui amène pas forcément du bonheur immédiat. C'est-à-dire que votre ex prend la décision de rompre parce qu'il ou elle n'était plus assez épanoui dans la relation, mais ce n'est pas la décision de rompre qui va le conduire ou la conduire au bonheur. Au contraire, donc votre ex va chercher tous les moyens possibles, au travers de la cigarette, des sorties, du temps pour soi, de la lecture. Bref, votre ex va essayer de changer tout son comportement pour pouvoir retrouver du bonheur. Ce que j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle du jour, c'est que votre ex ne trouvera pas son bonheur ainsi. Ce sera que éphémère. Et donc la raison pour laquelle vous pouvez récupérer votre ex, c'est qu'à partir du moment où vous changez pour de vrai, à partir du moment où vous vraiment vous mettez en place des actions concrètes sur vous, à partir de cet instant, votre ex sera beaucoup plus réceptive ou réceptif. Vous allez pouvoir lui montrer en quoi vous avez évolué. Vous allez pouvoir lui montrer que vous êtes un pilier, la personne vers qui elle doit ou il doit se tourner pour retrouver un vrai bonheur. Parce que les sorties, c'est éphémère. Parce que la cigarette ne va pas l'aider. Parce que si votre ex se recroqueville sur elle-même, elle aura forcément par la suite envie de profiter. Il ou elle aura envie de ressortir, de retrouver de la joie de vivre, du bonheur. Et cela, ce sera uniquement à vos côtés. Alors le bon moyen pour bien changer, c'est forcément de se demander comment évoluer, comment rattraper ses erreurs du passé. Mais surtout, ne regardez plus le comportement de votre ex. Cela risque de vous perturber, de vous faire du mal et au final, de vous faire souffrir. Donc, ce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas ainsi que vous allez récupérer votre ex. Par contre, si vous vous dites « Ok, aujourd'hui, mon ex, elle change ses habitudes, donc ça veut dire qu'elle souffre, ça veut dire que maintenant, j'ai ma chance, j'ai mon opportunité. Mais pour cela, je dois montrer la meilleure version de moi-même. » Si vous avez envie de partager vos bonnes astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je vous invite également à me laisser un petit like, un pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site alexandrecormon.com et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.